Boboutique, eh bien tous les anciens de Chloé Delis connaissent forcément. C'est un nom incontournable pour leur promo, l'initiateur d'Actu TV, des portraits chinois, l'auteur de 3 contes bizarres, souvent très bizarres, les 10 petites négresses, d'un triptyque constitué de 3 thrillers époustouflants, 2401 KO et Bluff, et plus récemment d'un road movie intitulé « Les aventures de Bob Boutique en Islande ». Alors croyez-le ou pas, mais juste après sa publication, je suis également allée en Islande sans bouquin sous le bras pour vérifier eh bien, si ce qu'il avait dit était vrai, hein, parce qu'avec notre Bob international, eh bien non, tout est rigoureusement exact. Les descriptions qui fleurent bon les vastes étendues volcaniques et glacées, les spots touristiques où il y a quand même un peu plus de touristes qu'à l'époque, le geyser qui inspire toujours de la même façon, avec un peu plus de monde autour. Il y a les routes désertes qui serpentent sur les champs de lave, parfois verdoyants, et puis les chemins de traverse qu'il vaut mieux éviter avec une petite voiture qui est dépourvue de 4 roues motrices. Enfin, seuls les prix ont flambé, mais comme partout ailleurs. Alors Bob y est allé en famille à l'époque, donc c'était il y a 10 ans, avec sa femme et son fils. Et le pays, comme ses paysages et sa population, l'ont tellement marqué qu'il a eu envie de faire partager, son aventure. Il partage donc de nombreux avatars, parfois amusants, parfois surprenants, parfois stressants. Beaucoup de surprises, quelques ornières et puis les choses à faire et surtout à ne pas faire. Mais que Bob forcément a fait, hein, pour ceux qui le connaissent, voilà, c'est incontournable. L'écriture est, comme avec Bob, toujours très naturelle, nerveuse, précise, très rythmée, un peu comme un roman, vous voyez. Et il nous entraîne vraiment sans une once d'ennui, sans une seconde où on aurait envie de poser le bouquin dans l'un des pays hors normes de notre Europe, dans tout ce qu'il a vu, tout ce qu'il a découvert. Et il nous transmet en fait avec une, on va dire, une efficacité diabolique cette envie d'y aller, d'aller sur place et de, voilà, de partir également à l'aventure dans cette nature sauvage et préservée. Alors bravo Bob, tu nous révèles ici une nouvelle facette de tes talents d'écrivain et j'ai hâte réellement de découvrir ta prochaine publication, ta prochaine création qui va être une bande dessinée, mais oui, avec Bob le Belge et un temps décalé que j'ai découvert avec grand plaisir en avant-première.